Donc, on va reprendre. J'ai commencé par une, bon, une partie un peu générale, théorique, puis une partie sur le, comment, les, les débuts de l'Internet, les années 80, début 90, cet Internet ligne à ligne qui voit se développer la notion de liberté et de communauté virtuelle. J'ai fait un retour dans le passé, donc années 40, 50, 60, pour bien montrer que toutes les questions qu'on se pose à l'heure actuelle sont des questions qui étaient déjà posées mutatis mutandis dans d'autres époques et je pense que c'est très important d'avoir cette, cette logique historique pour éviter de succomber à disons aux au, au mythes qu'on nous développe à l'heure actuelle s'apercevoir que des mythes équivalents ont été développés précédemment et qu'ils n'ont pas forcément abouti là où on voulait alors maintenant se faire parler d'une autre période de l'histoire d'internet, euh, le web. Le web qu'on peut représenter par ce premier navigateur web. Avant, c'était comme celui que je vous ai montré dans le euh, avant, c'est ce, celui avec en mode ligne à ligne où on va aller taper le numéro pour avoir les liens. Là, on a le premier navigateur graphique grand public utilisable sur les ordinateurs euh, Macintosh ou Windows à l'époque et euh, très vite sous Unix aussi. Donc, notamment sous Linux, qui, qui commençait à émerger, c'est le navigateur mosaïque. Alors ce World Wide Web, il a été créé euh, en, par Tim Berners-Lee au, au sein du CERN. Alors le CERN, c'est un, un endroit où on fait euh, de, se rencontrer des, des atomes, euh, qu'on les fait exploser contre des, des parois, et qu'on voit qu'est-ce qui se passe derrière pour étudier la physique des particules. Quel rapport avec le web euh, et les systèmes commerciaux qu'on connaît à l'heure actuelle. Ben juste qu'on avait un informaticien là, et ces chercheurs-là, ils, ils viennent faire une expérience au CERN, ils y restent environ six mois, et leur principal allié, c'est la bibliothèque du CERN. C'est l'idée de pouvoir accéder à tous les calculs, toutes les hypothèses, toutes les expériences préalables qui ont été faites. Et ces expériences se citent les uns les autres en permanence. Quand on fait une expérience on va citer quels sont ceux qui, auparavant, ont travaillé sur le même sujet. Quand on fait un calcul, on dit, ben voilà, auparavant, ou de qui j'ai pris l'idée de ce calcul, etc. Et donc, on a, dans l'organisation même de la bibliothèque, d'un grand centre de recherche comme le CERN, on a cette logique de l'hypertexte, du lien permanent d'un document vers un autre document. Et donc, Tim Berners-Lee et Robert Caillot, donc ils étaient deux quand même, inventent, au CERN, un système informatique qui va permettre de favoriser cette logique hypertexte. Non plus un hypertexte centralisé, comme ça pouvait exister avant avec Hypercard ou avec d'autres systèmes hypertexte de cette époque-là, mais un système décentralisé, c'est-à-dire où chacun allait pouvoir rajouter ses propres informations, les encoder dans un langage qu'il a appelé HTML, Hypertext Markup Language. Euh, toutes les informations encodées de cette manière vont pouvoir être interconnectées grâce à un protocole qu'il va appeler HTTP, Hypertext, Transfer Protocol, transfert. Regardez, on est bien dans la logique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Internet, c'est du transfert de fichiers. Et donc le web, c'est du transfert de fichiers. Un fichier temporaire qui est gardé dans le cache du navigateur, c'est tout, mais c'est quand même un fichier qui est transféré et qui va être interprété par le navigateur en mode local. En 1989, à la seconde conférence sur l'hypertexte de l'American Computing Machinery, Tim Berners-Lee présente son projet et il est refusé en disant Mais ça, c'est pas de la science, c'est de la technique. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Hein c'est rien du tout. Non. Il encaisse. Il ne dit rien. Il crée quand même son premier serveur web qu'il va ouvrir à l'intérieur du CERN en 1991 et il le crée sur un next qui est l'ordinateur qu'a créé Steve Jobs en partant, de, en quittant Apple. Enfin, en étant jeté dehors de Apple. Euh, ce qui lui est arrivé donc, dans les années 80. Qui est un ordinateur génial, le Next. Et, euh, bon, ça va, ça, ça va démarrer comme ça. Ouais, Tim Berners-Lee, hein, donc. Mais il va aller dans des conférences et il ne... Voilà, c'est ça que je voulais. Il ne va pas réussir vraiment à convaincre parce que c'est quand même complexe de se dire que les informations sont liées les unes aux autres partout avec des serveurs multipliés dans le monde, alors que la tradition d'organisation de l'information, celle qu'utilisent les bibliothèques, c'est la classification hiérarchique. C'est la classification décimale de Dewey. Et donc on a en même temps un autre protocole qui s'appelle Gopher, qui a été à un moment donné le roi du pétrole. C'était eux qui étaient vraiment l'outil d'organisation de l'information internet. Quand moi j'ai commencé, c'était avant le web, c'était Gopher qui était la, la manière où on organisait l'information, les textes étaient accessibles au bout d'une hiérarchie euh, de classification qu'on pouvait retrouver, on pouvait interroger les termes des classifications, pas les documents eux-mêmes, on n'a pas encore de moteur de recherche, hein, on est bien avant ça, mais les termes des classifications pour descendre dans l'arbre voilà, hiérarchique, présenter comme, comme l'arbre hiérarchique d'un navigateur de, interne de fichiers euh, d'un système, même si en réalité c'était dans des serveurs répartis euh, dans le monde entier. Alors pourquoi, pourquoi euh, Gopher a finalement perdu? Eh bien, il y a deux, deux raisons centrales. La première, c'est que Gopher n'a pas été soutenu par son université, l'Université du Minnesota. Les gens qui développaient ça, ils avaient beau être très célèbres en dehors de leur université. En intérieur, on disait que euh, ce n'était pas bien parce qu'ils avaient développé ça sur un Macintosh. Euh, leur premier serveur, c'était un Macintosh SE, et que seuls les gros ordinateurs, les vrais, les purs, les durs, euh, étaient euh, considérés comme de l'informatique. Ce raisonnement a duré très longtemps. Euh, donc voilà, absence de soutien. Et puis, euh, la deuxième chose, c'est que le 30 avril 1993, le CERN, sous pression de Tim Berners-Lee, dit ⁇ Ok, le CERN met dans le domaine public, donc c'est le, le texte que vous avez là, qui est un texte majeur. Hein, je pense que s'il si y a vraiment un texte majeur dans l'histoire euh, de l'Internet, c'est celui-ci. ⁇ qui dit, euh, les protocoles du web, tous les logiciels qu'on a fait jusqu'à présent, notre serveur web, euh, tout ça, c'est du domaine public. Et donc, n'importe qui va pouvoir s'en servir et l'utiliser. Et là, ça va être l'explosion, c'est-à-dire, n'importe qui va pouvoir prendre leur logiciel, créer un serveur web. N'importe qui, ce n'est pas grand monde à l'époque. Hein. C'est des, des universités, c'est euh, installer ça sur les machines des universités, euh, c'est... Euh, bon, puis très très vite, les gens vont créer des pages personnelles en utilisant ce langage HTML qui était à nouveau dans le domaine public. En octobre 1993, six mois après, est publié Mosaïque qui accepte les images. Et donc là, on va avoir une explosion euh, du système. Voilà le système tel qu'il est là en 1996, avec la rapidité d'époque et les, les modèles d'époque. Donc on est quand même dans un... Euh, un système pauvre euh, en termes artistiques, en termes ergonomiques. On a les liens en bleu, etc. Moi, je me rappelle quand on a commencé à mettre des feuilles de style et qu'on pouvait avoir les liens en vert et tout ça, des collègues qui disaient, mais attends, ça brise la logique. Euh, les gens, ils voient, quand ils voient une encre bleue, ils savent qu'ils peuvent cliquer. Donc il y a une espèce de logique interne. Si on commence à les mettre en vert, ils vont être perdus. Ce qui a été vrai pendant quelques jours. Au début, puis très vite les gens se sont habitués, il y a eu d'autres systèmes d'interaction, etc. Et donc on, les gens comprennent la logique de navigation au fur et à mesure de l'évolution du web, de l'évolution des, des techniques du web design en fait, de, de, de la manière dont l'artistique est rentrée dans le web. Alors là, par contre, ce qui est intéressant, l'autre aspect, c'est que là on est la, la première encyclopédie coopérative. Ce n'est pas Wikipédia, c'est avant Wikipédia, hein, on est en 80, il, il a créé ça en 80. Euh, Nicolas Pioche, il dit Je vais créer le Web Louvre, vous allez me donner tous les scans que vous pouvez faire d'images de, de photos artistiques, hein, et on, on va mettre des textes et on va réorganiser comme ça toute l'histoire de l'art. On va créer un musée virtuel hein, fabriqué par l'aide des internautes, donc euh, système collaboratif, avec une logique hiérarchique d'organisation. Donc là aussi, on restait quand même dans la, dans la logique traditionnelle des bibliothèques ou des musées. Ah, regardez là, c'est intéressant, comment l'image apparaît. En temps, on est en temps réel d'époque. Et donc, comment expliquer que ce système, quand même euh, lent, pas très beau, euh, va susciter un engouement très profond, et les gens vont se mettre par millions à centaines de milliers, hein, à créer des pages personnelles, c'est-à-dire des pages où ils vont eux-mêmes utiliser cette technique pour parler de ce qui leur plaît, que ce soit le skateboard, que ce soit leur, leur famille, le, le, leur balade en montagne ou leurs idées politiques, économiques, culturelles, etc. etc. Et donc, les gens vont se mettre. On va avoir un web qui, avant d'être accepté par les institutions, va être un web d'hobbyistes, de personnes dont c'est le hobby de créer des pages personnelles et qui vont avoir cette pulsion épistémique dont je crois avoir déjà parlé, qui, qui, qui incite les gens à partager euh, ce qu'ils savent faire. Même si c'est dans des situations ben voilà, plus difficiles que ce qu'on connaît à l'heure actuelle. Mona Lisa. Dans ce monde-là arrive, en 1994, donc vous voyez, on est 93, c'est mis en, en domaine public. Octobre 93, on a la hum, mosaïque qui, qui paraît. Et un an après, on a la publicité qui arrive. Il faut se rappeler qu'Internet, étant financé par l'État fédéral américain, était censé ne pas avoir de système commercial dedans. Donc il a fallu une décision euh, politique, hein, qui ça, ça s'appelait le N2I, New Information Infrastructure, à, qui, qui a ouvert en fait la porte à la publicité et au commercial. Et donc un an après, on a la première bannière publicitaire ici. Euh, je crois que je vous en ai déjà parlé. Elle était sur le journal Hot Wired, qui est la version en ligne de Wired. Et Wired, c'était la galaxie de Stewart Brand dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous voyez, on est toujours dans ce, ce petit réseau de. Tête d'influenceurs, de, 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 de gens qui vont diffuser euh, le discours sur Internet. Alors, il y a cette page-là qui est la, la Million Dollar Page. C'était un, un, un jeune anglais, un jeune étudiant anglais, qui a vendu à 1 dollar le pixel d'une page écran, une page écran de l'époque, pas très grande. Euh, donc, la, sa page valait 1 million de dollars. Il a trouvé des entreprises qui ont payé au pro rata du nombre de pixels qu'elles utilisaient. Il avait fait ça pour faire financer ses études et il en a profité pour gagner beaucoup plus que ce qu'il avait besoin. Mais c'est, voilà, d'où on voit aussi apparaître, dès ce moment-là, des gens qui créent des start-up improbables ou des projets improbables basés sur la publicité. Tout rapport avec les événements actuels est complètement fortuit. Alors, 95, donc deux ans après, on voit débouler le commerce avec le, le, le premier livre vendu par Amazon. Amazon était été créé un an avant, mais en fait, il n'a ouvert qu'en qu qu juillet 95. Et donc, il vend, il, vend des, 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 il se met à vendre des livres. En 97, il entre en bourse. Et on, donc, là, on, on a une autre. Période, je vous ai parlé la dernière fois de, euh, de, du rôle de Amazon comme anticipation. C'est à chaque fois qu'il perdait de l'argent, en fait, il dit, mais c'est un investissement parce que je gagne un client. Et deux ans après, il rentre en bourse alors même qu'il euh, n'y a aucune preuve qu'il soit viable, il n'y a aucune preuve qu'il puisse y avoir des dividendes. D'ailleurs, il n'y en a pas eu, etc. etc. Donc, euh, et ça va créer ça, le début de ce qu'on a appelé la, la bulle des dot-com, la, la, la bulle Internet de l'an 2000 qui fait qu'on a plein d'entreprises comme ça qui rentrent en bourse, et puis à un moment donné, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'économie derrière, que leur modèle économique ne tient pas, et donc elles vont presque toutes s'effondrer, sauf euh, le, bah, les quelques qui avaient une véritable raison d'être et, et qui vont survivre. On voit apparaître aussi la recherche documentaire, c'est-à-dire à partir du moment où on a trop de pages, euh, il va falloir trier dedans, d'où on retrouve ce rôle fondamental d'intermédiaire qui est d'organisation de l'information. Alors, ce n'est plus les bibliothécaires qui vont le faire, ça va être des moteurs de recherche. Quoique, au début, Yahoo, c'était en fait les gens qui suggéraient qu'on puisse mettre dans tel ou tel code de classification, Yahoo, c'était très hiérarchique, euh, les, les documents ou les sites au moins rentraient dans un cadre hiérarchique pour que leurs documents soient euh, comme ça retrouvables par, par les personnes. Et enfin, Wikipédia. Hein, euh, 2001, ouverture d'une encyclopédie créée par les, par les usagers de l'encyclopédie elle-même. Avec une première expérience, qui on demande à des gens précis d'écrire des articles précis, et ça ne marche pas. Et c'est qu'à partir du moment où on a ouvert au public, on retrouve cette pulsion épistémique euh, dont je parlais tout à l'heure, que, que ça va commencer à marcher. Et c'est aujourd'hui devenu la première destination du web. Et donc, ce, ce web-là... C'est un web de pages personnelle et il va changer, il va changer au fur et à mesure, petit à petit, mais en fait, il y a un moment donné où mmh. euh, on va dire c'est le web 2.0. C'est euh, Tim O'Reilly, dont, dont je vous ai parlé tout à l'heure, un de ses grands influenceurs, et John Battle, qui euh, font un brainstorming et qui disent voilà voilà les grands sites tels qu'on les connaît jusqu'à présent, etc. Puis voilà les jeunes pousses qui montent et qu'est-ce qui les distingue et dans les jeunes pousses qui montent, il y avait euh, une relation directe, c'est-à-dire l'usager pouvait écrire dedans. C'est par exemple la logique des blogs. où il y avait des relations, euh, chaque jeune pousse pouvait parler aux autres. C'est ce qu'on appelle les Application Programming Interface. Euh, il y a une glue qui fait se rejoindre plusieurs euh, sites d'information, plusieurs modèles d'information. Et donc il dit bah, tout ça en fait. C'est plus le même web, on est passé dans un web 2.0 à cause de la numérotation des logiciels ou quand on change de d'unité en général c'est qu'il y a un vrai changement radical avec cette logique qui est le web 1.0 il est toujours en travail et le web 2.0, il est toujours en mode bêta. Mode bêta, ça veut dire j'ai un produit, j'ai déjà des utilisateurs qui sont en train de le tester en situation réelle, pas des pas un petit groupe d'usagers qui le testent dans son coin. Non, on teste en situation réelle. Google s'était resté marqué bêta jusqu'aux années 2010, donc voilà, c'est un test en grandeur nature. Et donc vont arriver là-dessus les médias sociaux à partir disons de 2005-2006. En 2005, on avait MySpace, 2006-2007, on a Cohabitation MySpace-Facebook, puis Facebook qui va gagner, euh, avec des, des, des relations très, très étranges sur le public de MySpace et le public de Facebook, qui n'était pas tout à fait le même, une espèce de ghetto MySpace. Enfin, bon, il y a, dans, dans le livre de Dana Boyd, il y a beaucoup d'explications sur ce, ce passage-là. Les, les comportements, les, les, relations, en fait, les relations sociales qui existent dans le monde euh, réel se retrouvaient dans cette bataille. Entre Facebook et MySpace pour devenir le média social. Parce que, in fine, il n'y a qu'une place pour tenir une agora. Et ça, c'est une vraie contradiction qui aura été montrée par l'histoire, c'est-à-dire plus la place publique est grande, et plus c'est le lieu où les gens vont aller parce que c'est là qu'ils vont rencontrer leurs copains. Et que ce soit. Pour euh, leurs copains, pour euh, draguer, que ce soit pour échanger en politique, que ce soit pour euh, se raconter des histoires drôles, ou que ce soit pour échanger des, des, des bouts de vidéos, des formations culturelles, de la musique ou des livres. Peu importe, c'est sur les grandes places qu'on va. Ce qui va changer, et j'y reviendrai la semaine prochaine dans mon dernier cours, ce qui doit changer la nature de la relation entre les citoyens, les pouvoirs publics et ces plateformes puisque ces plateformes, quelque part, jouent le rôle des places publiques, jouent le rôle des endroits où les gens se rencontrent. Alors, ça, ouais, ben voilà, ça, ça crée ce nouveau dilemme entre la participation et la centralisation. Globalement, le Web 2.0, c'est l'idée que les gens vont participer, ils vont donner leurs informations, c'est eux, quelque part, qui vont créer la richesse, mais qui va capter cette richesse C'est justement ces fameuses plateformes. Et on, on s'aperçoit qu'on est dans un mouvement complexe de participation, décentralisation, chaque individu produit la, la richesse, mais la richesse est captée par des gens très concentrés, et surtout par des jeunes. Ce qui est, ce qui est très intéressant dans la petite vidéo ici, on, on est euh, au tout début de Facebook, dans leur bureau, Attends, ils ont moins de 30 ans tous, hein, ils ont à peine votre âge. Donc euh, voilà tout, tout ça qui vont créer euh, ces systèmes-là. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Et ce qui le rend possible, c'est ce mode bêta, justement. C'est l'idée qu'on peut faire quelque chose si ça ne marche pas. Ah, tant pis, ça ne marche pas. Attends, si vous faites une voiture et qu'elle ne marche pas, qu'elle explose en vol ou qu'elle euh, ne tourne pas quand il y a un virage, c'est beaucoup plus compliqué. Sur Internet, non, ce n'est pas compliqué. Je peux lancer mon truc, je peux développer, je peux inventer, revenir. Et donc, je suis en évolution permanente. Si ça marche pas, bon, bah, tant pis, on n'a rien cassé. Si ça marche moyennement, bah, on peut améliorer le système. Et puis, si ça marche, c'est jackpot. Voilà, ça so, aussi explique aussi ça. Après, on a un vrai problème qui est tous ces gens qui veulent prendre ce modèle Internet et le dupliquer. Dans le monde réel, le monde réel est un peu plus compliqué que ça. On a besoin d'ingénieurs qui ont parfois un peu plus de recul ou de, de penseurs qui vont dire autre chose que simplement je mets en place un système, mais qui vont réfléchir à où nous mène ce système, quelle société construit ce système ou, ou rend possible. Autre élément du web moderne, c'est le développement de la téléphonie mobile. Donc là, à partir de la 2007, l'apparition du iPhone. Qui va être vraiment un grand. Hein, je vous ai montré la vidéo de présentation par Steve Jobs. C'est vraiment un grand moment de bascule, puisqu'on va avoir en fait un ordinateur dans la poche. Ce qui est intéressant, c'est que cet ordinateur dans la poche, il est aussi puissant qu'un Cray One, qui était considéré comme le, le supercalculateur de la fin des années 80, qui valait des qui valait bonbons. Je sais même pas comment dire combien. Euh, et, et que très peu d'universités, je crois qu'il y en avait un en France à Polytechnique, vous voyez, c'est une machine, ces supercalculateurs-là, voilà, la puissance, elle n'est pas utilisée à la même chose. À l'époque, elle était utilisée surtout dans les créoles à faire du calcul théorique, à, à faire des simulations, à faire des choses comme ça. Là, elle est utilisée à rendre très pratique, facile l'usage de nos doigts pour taper dessus, le, ce fameux clavier qui répond à toute vitesse et qui corrige les mots en même temps. Il, faut, il y a une sacrée puissance de calcul pour le faire fonctionner derrière. Hein. Il ne faut pas oublier ces choses-là. Il, il y a de la technique, pas seulement de la technologie et du discours dans cette histoire-là. Il y a quand même de la technique. Il hein, ne faut pas, pas l'oublier. Donc, voilà, le, le développement donc, de l'ordinateur. Et dans le même temps, dès euh, les années 90, donc, Mobinote, on accède à l'Internet via des systèmes mobiles, complètement mobiles, dans la poche, pratiques, d'usage permanent, et en même temps, on voit se construire des gigantesques usines, des data centers immenses, taille de deux terrains de football, avec des racks d'ordinateurs de partout, etc. Quelque part, cette course à la puissance et à la centralisation, a commencé très, très tôt. Google, quand il a construit ses premiers data centers, à l'époque, il y a Larry Page qui est passé, puis qui a dit, bon, là, vous enlevez l'interrupteur. Qui veut éteindre un ordinateur dans un data center Pas. Qui veut... Il a, il a épuré tout. On avait plus ce qui ressemblait à un ordinateur, mais on avait beaucoup de, de, de zones de calcul. Et donc, ça a fait basculer du data center traditionnel, où c'était quand même des ordinateurs puissants, un data center très puissant, très rapide, euh, a fait de milliers d'ordinateurs peu puissants, donc des cartes juste, qui faisaient le minimum de choses, qui étaient là juste pour faire du calcul et des systèmes de répartition, hein, le load balancing on dit, entre, entre ces, ces diverses cartes pour les faire fonctionner. Et c'est ce qui a permis à Google de gagner la bataille des moteurs de recherche. Attends, il était trois fois plus rapide que les autres. Donc quand on pose une question, on avait la réponse tout de suite. Ça, dès le début des années 2000. Parce qu'il avait des data centers à la puissance nécessaire. Donc là aussi, data center, centralisation, course à la puissance, euh, consommation énergétique majeure, euh, réorganisation géopolitique. Ces data centers, bah, par exemple, l'Europe exige que les données concernant les populations européennes soient en Europe. Et donc il faut que Amazon... Qui vient de le faire, va faire un, ces data centers en Europe, que euh, tout, tout les, tous les grands services qui ont des données sont obligés de reconstruire des data centers en Europe. Après, ils se posent la question de savoir s'ils peuvent les construire en Chine, où la main-d'œuvre est certes moins chère, mais où les questions géopolitiques font que ce n'est pas évident d'y mettre des centres de données. Enfin, vous voyez, donc on a autour de cette recentralisation dans des méga machines, euh, on a de nouveaux problèmes géopolitiques qui se posent de tout. Euh, système centralisé. Et puis la dernière vague sur l'Internet, c'est l'ordinateur, enfin c'est le, le capteur, la source, l'appareil numérique, c'est plus un ordinateur qu'on qu va porter sur soi-même, qu'on dit wearable computer. Qu on, voilà, qu'on porte sur soi-même. Le modèle, c'est la, la montre, hein, la, la montre qui va permettre à la fois d'avoir quelques informations Bon, la météo, parce qu'on ne sait plus lever le nez pour regarder s'il pleut. Euh, ça va permettre aussi d'avoir un peu de musique, de recevoir des SMS et puis d'avoir des capteurs. Vous voyez derrière, il y a un petit bouton là. Et il y a des capteurs, en fait, dans, le, dans la montre qui vont nous permettre de connaître plein de choses sur nous, euh, notamment notre état d'émotion. Pourquoi, quand nous avons quelque chose qui nous émeut, la. Le, le, la, la tension, l'électricité le, le, euh, sur notre peau va changer. ça va provoquer un peu de sudation. et donc on, on a comme ça des systèmes qui sont capables de connaître notre tension, notre, euh, notre niveau émotionnel, etc. là, vous avez euh, ces euh, comment mood, mood tracker qui est la bague, la bague noire que vous voyez au doigt de la dame, c'est en fait un tracker d'émotion qui transfère l'information au smartphone. C'est-à-dire, en fait, les wearable computers, c'est des extensions de l'ordiphone. L'ordiphone, avec la puissance dont je viens de vous parler, sert d'unité centrale à, à cet ensemble de choses qui sont, bon voilà, à distance, à distance humaine au, autour de l'ordiphone et donc euh, communiquant par Bluetooth. Euh, il y a quand même un problème. Il y a quand même un problème. Si on a une machine qui est capable d'analyser en temps réel vos émotions, quelle capacité d'influence possède sur vous celui qui. L'information est passée de la bague à, au téléphone, à un système d'analyse centralisé derrière qui renvoie une publicité euh, correspondant à vous euh, ou renvoie à tout autre site. Je dis ça comme ça, mais je l'ai lu ce matin. Voilà, il y a des gens, dont, il y a des nouvelles start-up dont le, le truc, c'est euh, je vais faire en sorte que vous portiez des bacs qui captent vos émotions et derrière, je vous présenterai des publicités qui vont vous remettre en forme si vous avez un coup de blouse. On, on est en train de construire, en fait, un modèle où d'une main, on a cette centralisation dans les data centers pour calculer très très vite, récupérer de l'information et être capable d'en fournir une qui serait adaptée. De l'autre main, on a ces wearable computers, ces choses qu'on a autour de nous et qui sont. Voilà, qui, qui font faire partie tôt ou tard de notre vie. Et puis, entre les deux, on n'a pas, pas de régulation. Pas de régulation, donc des capacités d'influence énormes de gens sans, sans qu'on ait plus. Euh, aucune régulation, donc euh, en fait les, les promoteurs, ceux qui vont gagner de l'argent avec cette logique d'influence. Alors, ça ne marcherait pas si on n'était pas complice. Parce que quand même, on les aime, ces trackers. De... Tous les sportifs qui s'achètent un bracelet Fitbit, ah oui, parce qu'ils aiment ça, se comparer d'une fois sur l'autre. Il y a eu euh, ces trackers d'émotions, il y a des concerts où euh, on vous donne où on vous loue, je ne sais pas, un, tracker, un bracelet tracker. Et euh, en fonction de vos émotions, quand vous êtes dans le concert, les, les grands écrans vont changer. Le, ce qui va se passer sur les grands écrans est calculé statistiquement par les émotions que ressent la foule. Hein, vous voyez, donc on est, on est dans, des, dans des systèmes où les gens aiment ça et on fait utiliser le spectacle, les artistes, la, la création pour faire avaliser l'idée qu'en fait... On peut capter nos émotions, on peut analyser nos émotions et on peut utiliser nos émotions. Jusqu'à présent, c'était réservé aux relations humaines fortes, hein, notamment à l'amour. Voilà, maintenant c'est utilisé par les machines. On va avoir la lovotique, hein, l'amour des machines. C'est quand même... Alors d'aucuns appellent ça l'homme augmenté, c'est le terme officiel. Homme augmenté, c'est-à-dire on augmente nos capacités humaines. Si ça vous rappelle le nom de, de l'équipe de recherche de Douglas Engelbart qui a inventé la souris, qui s'appelait Augmente et dont l'objectif était d'augmenter hein, les capacités humaines à accéder à l'information qui lui permettrait de résoudre les problèmes auxquels allait faire face la société à son époque, là, on, ce qu'on augmente, c'est nos capacités humaines à transférer de l'information, et donc on est revenu sur notre compréhension de l'humain comme un monde d'information. Cette logique qui était celle de la cybernétique, science reine, rappelez-vous, des années 50 et 60. Donc on va, on, on va revenir dans des, des systèmes comme ça où nous sommes en fait des producteurs d'informations. Quelque part nous sommes complices parce que nous aimons ça, nous en avons besoin, nous sommes attirés. Et dans le même temps, pour nous attirer, on va créer des systèmes de plus en plus addictifs. Voilà. Donc la question c'est savoir est-ce qu'on augmente l'homme ou est-ce qu'on diminue l'humanité c'est-à-dire ce qui fait notre humanité, ce qui, ce qui nous distingue de la logique stimulus-response, hein, qui, est, qui est la logique euh, pavlovienne, hein, c'est ce, ce chien à qui on montre un os et qui va se mettre à saliver. C'est cette logique stimulus-response qui est une conception de l'humain bivoriale très ancienne qui date du début du XXe siècle. Est-ce que c'est -ce est vraiment ça qu'on est en train de nous, nous faire jouer à l'heure actuelle Voilà. Derrière avec la tendance des mégadonnées, d'une part, dont je vous ai parlé de la semaine dernière, et puis de la surveillance. Parce que je pense que l'Internet actuel, c'est l'Internet post-Norden. On ne peut plus vivre dans un Internet qui aurait oublié que tous nos actes, alors même nos émotions maintenant, vont être tracés, captés, et que cette captation va pouvoir... Cette captation par des entreprises va pouvoir être utilisé. on a déjà centralisé l'information donc ça devient rentable de faire de la surveillance de masse pas seulement de la surveillance pour faire de l'influence mais de la surveillance de masse à titre politique à titre de mon tous les tous les autres titres militaires euh, de l'espionnage etc qu'on va pouvoir euh, mettre en place alors on s'en doutait on se doutait qu'il y avait en fait un nouveau protocole qu'on pourrait appeler surveillance de point slash slash hein, comme on a http de point slash, slash ben, ce protocole de surveillance, on en avait des nouvelles avec Échelon, par exemple, dans la fin des années 90. Mais ce qui a changé avec ce qu'a fait Edward Snowden, c'est qu'il nous a donné les papiers, les documents, les, les programmes utilisés, les résultats. Les... Enfin, il y a des millions de feuilles de papier qui nous disent ben, c'est vrai, c'est pas du rêve. Et ça, ça crée forcément un Internet post-Snowden. La, la NSA surveille ses opposants politiques, notamment. Écoutez. La National Security Agency des États-Unis la... a surveillé les habitudes de consommation pornographique de, de personnes dont les opinions politiques étaient considérées comme extrêmes ou radicales, mais qui étaient reconnues pour être non associées à de la violence. On traitait pourtant ces personnes comme des terroristes, comme des gens qui doivent être discrédités en utilisant leur vie privée, leur activité sexuelle, leurs associations, afin de les discréditer en public sur la base de leur opinions politique. Nous avons observé progressivement au cours de l'année dernière, notamment hier avec la publication du rapport sur la torture, que lorsque l'on commence à changer nos valeurs dans le secret, lorsqu'on commence à changer la nature des activités d'organisation secrète, sans en informer le public, cela conduit à des dérives où même si l'intention est de faire les choses pour le bien commun, en l'espace de très peu d'années, des gens ordinaires et innocents se voient par conséquent être traités de façon épouvantable. Voilà. Donc là, on est dans une situation nouvelle, c'est qu'on s'aperçoit, comme il dit, il y a des choses qui bougent petit à petit. Hein. La torture aux États-Unis est vraiment quelque chose de très important. Et, et donc ces choses qui bougent, cette société qui bouge, alors là, ça date de bien avant l'élection euh, du Donald, euh, donc ces choses qui bougent fait que euh, petit à petit, on va nous habituer à être des individus surveillés. Et en échange, on va avoir un Internet où on va vouloir développer le chiffrement. La question de la sécurité de l'Internet... Parce que de protéger l'Internet comme outil de circulation dans lequel nous pouvons exister comme personne privée et non pas comme personne surveillée, devient une question essentielle pour tous les ingénieurs de l'Internet. Et donc, dans la, dans la phase nouvelle, les réunions de l'IETF, qui est le grand groupe des ingénieurs de, de l'Internet, c'est comment on va organiser le chiffrement de tout, comment on va protéger la vie privée, comment on va faire en sorte qu'on ait un nouvel Internet, hein, une nouvelle génération de l'Internet, qui va être plus protectrice de la vie privée. Est-ce que ces ingénieurs vont réussir Est-ce qu'au contraire, la plupart de ces ingénieurs étant payés par des boîtes qui ont besoin de faire de l'influence pour avoir leur modèle économique, euh, ils ne vont pas aller au bout Est-ce que euh, les gouvernements vont laisser faire ces ingénieurs de manière autonome et isolée, comme ça a pu se faire dans l'histoire euh, des années 80-90, euh, où ce sont les ingénieurs qui ont défini les protocoles et les États se retrouvaient à, à venir après coup est-ce que là, on en restera dans la même situation C'est une, une vraie question qui, qui, qui est posée pour le futur. Et comme je disais, l'histoire, ça sert avant tout à parler de ce qui, va, ce qui va se passer au futur. Et au futur, on peut penser que euh, c'est nous qui sommes l'Internet, oui, mais. Voilà. Oui, mais. Euh, étant tout, toute cette logique de, que j'ai essayé de vous montrer, c'est-à-dire à tout moment, c'est bien les gens qui se sont servis de l'Internet qui l'ont fait. Qu'ont apporté l'information, qu'ont apporté les réseaux, qu'ont créé les communautés virtuelles, qu'ont transformé les usages, qu etc. Mais est-ce que au final, on ne se retrouve pas dans la même situation que ces gens qui visitaient The Family of Man, la grande exposition euh, dont, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui pouvait être un, un symptôme du multimédia auparavant, c'est-à-dire ils visitent cette exposition, ils sont émus, ils pensent que le monde est une grande famille, mais en fait on leur a montré des images qui leur permettaient de choisir parmi les images qui ont été montrées, c'est-à-dire parmi la masse d'informations qui a été choisie. Et in fine, on a un système d'influence qui est moins direct et brutal que le, le, la propagande, mais qui reste de facto tout autant un système qui essaye d'organiser, qui essaye d'amener euh, les gens à penser d'une dans, dans une manière un peu organisée ordonnée collective collective au sens de marcher tous dans le même sens et non pas de collectivement décider ce qui serait le tribunal de la raison le rêve de la modernité. Alors voilà donc euh, un peu à quoi regarder l'histoire à mon sens ça nous aide à comprendre que les problèmes qu'on se pose aujourd'hui ont existé auparavant. C'est putatis mutandis, hein, comme toujours. cest à ils avaient une autre forme, c'était d'autres techniques, c'était peut-être moins puissant, il y avait moins de personnes concernées. Mais globalement, les questions étaient très semblables. Et donc, ça nous aide un peu, enfin, j'espère, à penser aux, aux réponses qu'on peut apporter oui. au, aux, à l'Internet d'aujourd'hui et, et puis surtout de demain, à quel va être son rôle et sa place dans, dans la société. Mais je développerai un peu tout ça dans le dernier cours de la semaine prochaine. Voilà, je vous remercie.